Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai proposé jusque-là. Du coup, je vais vous présenter mon appartement en Corée, ici à Séoul. Donc vous devez vous dire, cette meuf, elle est chelou, déjà on la connaît pas. Et en plus de ça, elle nous parle depuis la forêt. Donc en fait, c'est parce que je voulais vous présenter un petit peu le quartier où j'habite avant de vous emmener chez moi pour vous montrer un petit peu mon one room. Et bien sûr, je vais vous donner tous les détails avec les tarifs, la caution, le loyer, etc. Les factures, tout ce que ça représente pour que vous puissiez vous donner une idée un petit peu. Donc là, d'abord, je vous emmène découvrir le quartier. C'est parti! Donc là, on est sur la promenade principale du parc et c'est super bien aménagé. J'ai... Oh my god! Coucou toi! Il est super proche. Bonjour! Je reprends donc ce que je disais. Donc là, je suis sur la promenade principale du parc et hop, ça va jusqu'au bout. En fait, ça va de part et d'autre du parc et c'est super super agréable. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient du sol vert comme ça. Si quelqu'un a l'explication, je suis preneuse. Et du coup, sur toute la longueur, en fait, on a des petits espaces de repos qui sont super agréables. Il y a des espaces aussi pour faire du sport avec des petites machines, là, comme vous voyez souvent dans les vidéos. Et il y a aussi des terrains pour faire du sport entre amis. Donc, bon, avec le corona, il y avait plus grand monde, mais là, ça commence à reprendre un peu de vie avec les beaux jours. Et on a aussi des espaces pour les enfants. Enfin, vraiment, c'est super bien aménagé, c'est trop agréable. Donc, j'aime bien venir ici quand j'ai une petite heure comme ça à tuer pour me vider un petit peu l'esprit. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que malgré tous les aménagements, la majeure partie du parc reste quand même très naturelle et du coup on peut croiser des animaux. Surtout en cette période là, on peut croiser pas mal de petits écureuils. J'en ai vu 3 ou 4 là déjà depuis tout à l'heure. Et on peut voir aussi des chats, puisqu'il y a des chats sauvages qui habitent ici, que les gens viennent nourrir. Et bien sûr, il y a plein d'oiseaux différents, donc c'est vraiment super agréable. Dans ce parc, c'est qu'on a en bonus la petite vue sur Bukhansan. Aujourd'hui, il y a une légère pollution, je pense que ça se voit à la vidéo, ça fait comme un petit film, mais c'est quand même très très agréable. Je suis vraiment pas loin dans mon quartier en fait. Ceux et celles qui me suivent sur Insta savent que j'adore passer par ici pour rentrer chez moi. Je mets de temps en temps des photos quand je rentre à la maison et j'adore ce point de vue. On peut vraiment voir tout le quartier avec les différentes constructions, les différentes époques. Et au loin là-bas, il y a aussi la Namsan, je ne sais pas si vous la voyez. C'est vraiment super agréable de passer par ici. À moins de 5 minutes à pied de chez moi, j'ai aussi ce petit ruisseau ou cette mini rivière. Bon là, elle est toute sèche, mais c'est vraiment trop trop cool de se balader là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées qui viennent se balader et profiter.
J'avais jamais remarqué, mais il y a une petite musique d'ambiance. Une autre chose que j'aime beaucoup dans mon quartier, c'est que juste à côté de chez moi, j'ai un petit marché comme ça où je peux acheter tous mes fruits et légumes, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. Donc moi, vous avez vu, je suis dans le quartier de Sangshin-Yode, donc c'est l'université de Sangshin. Donc c'est un quartier très étudiant ici, donc il y a beaucoup de restaurants, de bars. Bon là, tout est fermé parce que c'est pas encore l'heure, mais sinon c'est vraiment en général très animé, même si ça s'est calmé avec le corona. Franchement, c'est très très animé, c'est super agréable. Il y a plein aussi de petites boutiques pour faire du shopping, donc... Je me balade assez régulièrement dans les rues ici le soir. Du coup, c'est parti pour la petite visite de mon one room. Donc, comme partout en Corée, il faut retirer les chaussures quand on arrive. Une petite salle d'entrée. Là, j'ai un petit placard pour pouvoir ranger les chaussures, les sacs que je mets en bas et les masques aussi et mon surplus de papier toilette. Donc ça c'est hyper hyper pratique quand on arrive d'avoir cet espace, comme ça ça me permet de tout ranger au propre. Juste au dessus ici j'ai de la petite déco, j'avais mis ça pendant la période de Noël et finalement j'aime bien donc je le laisse pour l'instant, je verrai ce que j'en fais. Et ensuite quand on arrive on est directement sur l'espace cuisine. En fait, j'ai installé ce meuble quand je suis arrivée pour pouvoir faire une espèce de séparation et regrouper ensemble la machine à laver et le frigo. Je vais vous montrer en détail. Et du coup, voilà, ça fait vraiment un petit coin pour la cuisine qui est plutôt agréable. Alors là, vous verrez un truc hyper bizarre. La fenêtre. Alors ça, même aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi ils ont mis les meubles par-dessus la fenêtre. On voit bien ici, là, la démarcation de la fenêtre. Et pendant un temps, je trouvais qu'il faisait hyper froid à chaque fois que j'ouvrais le meuble. Et c'est parce qu'elles étaient mal fermées et du coup, l'air rentrait par là. Hyper bizarre. Par contre, je peux quand même les ouvrir. Ici, donc il y a deux fenêtres. Bon, j'ai pas de vue, hein, ça mène nulle part. Mais je peux quand même les ouvrir pour pouvoir aérer un peu pendant que je cuisine. Donc c'est pas trop mal qu'elle soit là, ça apporte un petit peu de lumière aussi de ce côté-là, mais ça aurait été mieux qu'il y ait rien du tout quoi. Donc voilà, après dans les meubles, j'ai rien de particulier, un petit peu de ustensiles pour la cuisine, des choses avec des éponges, de quoi mettre la poubelle, etc. Ici, je range tout ce qui est casserole, poêle, les huiles. Je mets toujours là-dedans parce que je trouve ça dégueulasse quand ça traîne dans les meubles. Ici, j'ai rien, je crois. Non, il n'y a rien de particulier. Les plaques, c'est en Corée quasiment toujours plaques gaz. Mais dans les appartements récents, maintenant, ils mettent de plus en plus les plaques électriques. Juste ici, en fait, là, moi, j'ai installé ce petit truc-là pour faire un petit peu déco. Ça aussi, je l'ai acheté chez Daiso, il me semble. Et du coup, ça habille un petit peu ce coin-là, ça rend un petit peu plus sympa. Juste ici derrière, donc là c'est là où j'ai mis effectivement la machine à laver qui à l'origine était tournée vers le mur et le frigo lui était juste à côté de l'entrée ici. C'était super bizarre et c'était pas pratique du tout, donc j'ai fait le choix de les regrouper ici tous les deux. Je trouve ça plutôt efficace, donc ça me convient. Là au-dessus, donc le micro-ondes et mon petit bébé, le cuiseur à riz.
que j'utilise depuis des années. Je l'avais acheté lors de mon premier ou deuxième voyage en Corée et je l'ai toujours depuis. Quand on se tourne juste à côté de l'entrée, il y a les meubles. Ah donc il y a une petite bibliothèque et les meubles où je range généralement les sous-vêtements, quelques pantalons, les pyjamas, les choses comme ça. Donc je les ai mis l'un sur l'autre parce qu'à la base ils étaient séparés et je trouvais que c'était beaucoup plus efficace comme ça. Et donc ça me permet par-dessus de pouvoir mettre mon maquillage avec le tout petit miroir que j'aimerais bien changer. Là j'ai mis des petites décos, ça c'est les cartes que j'avais achetées, vous vous souvenez, à la boutique à Mangwon, qui était super sympa et je vous les avais pas montrées. Donc voici, je suis très très contente, ça fait tout mignon. À côté, la bibliothèque où je range un petit peu de tout. Donc en bas c'est tout ce que je ne sais pas où ranger. On a tous des objets comme ça, on ne sait pas où mettre, donc ils sont tous regroupés ici. Après, quelques petits produits cosmétiques, il y en a aussi juste au-dessus, là, pour les cheveux, les produits pour les cheveux, un peu pour le corps. Là, c'est des choses pour le travail. Ici, j'ai rangé un petit peu les bijoux, comme ça. Là, donc là, on a tout ce qu'il faut pour le corps et les cheveux. Au-dessus, encore des petits rangements. J'aime bien, moi, que tout soit un peu caché. Et mon petit diffuseur à huile essentielle. En ce moment, j'utilise de la lavande parce qu'apparemment, ça a des vertus déstressantes. Donc, j'en utilise presque tous les jours, tous les soirs, avant d'aller dormir. Et ensuite, au-dessus, ici, ce sont mes livres de coréen que je n'ai pas touchés depuis un certain moment, je dois avouer. J'ai étudié dernièrement avec les livres de chez Canada. C'est un institut privé qui est à plusieurs endroits à Séoul. Moi, j'avais été à un institut qui travaillait avec ces livres-là, mais pas directement à Canada, donc je peux pas vous dire comment c'était. Sinon, j'utilise beaucoup les livres de Talk to Me in Korean, je pense que vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas, franchement, allez voir parce que ils sont trop bien. Je les aime trop, donc voilà, je peux que vous les recommander. Et ensuite, là, ce sont quelques papiers et administratifs. Et ensuite, quand on regarde de l'autre côté, on a le coin salon-lit canapé, ce que vous voulez. Il n'y a pas trop de place, hein, c'est un one room. Donc ici, j'ai acheté le tapis pour habiller un petit peu le sol. Je l'avais pris sur Coupang quand j'étais en quarantaine, quand je suis revenue, avec la petite table aussi. Et voilà, le lit avec les petites décos. Ici, pareil, tout ça, j'ai acheté sur Coupang, la guirlande aussi. Donc on peut trouver vraiment des trucs sympas et pour pas trop cher. Et juste à côté, ici, l'immense bureau, je comprendrai jamais pourquoi ils ont décidé de mettre un bureau aussi grand. Il prend trop de place, c'est super gênant. Mais bon, après c'est le lieu où je suis quasiment tout le temps parce que je fais du coup mes montages vidéo. Je travaille aussi un petit peu à la maison, parfois je fais du télétravail. Donc voilà. Et au-dessus, on a donc la fenêtre. Vous pouvez voir à travers, il y a les barreaux. Hop, donc j'ai pas du tout une vue extraordinaire, mais c'est mieux que tout ce que j'ai pu visiter en Corée. Tous les autres apparts que j'ai visités, la vue en fait juste derrière la fenêtre c'était un mur. Et donc du coup t'es dans le noir toute la journée. Et là ça me permet d'avoir une luminosité qui est quand même pas trop mal dans la journée. Même si là j'ai mis la lumière pour la vidéo pour que ça fasse plus clair. Mais sinon la luminosité est pas trop mal. Et donc ici on finit par les vêtements. C'est le seul coin de rangement, à part les petites commodes que j'ai pour pouvoir ranger les vêtements. Heureusement, j'ai pas grand chose, mais franchement, c'est pas suffisant. J'ai une partie de mes vêtements qui est dans cette valise et une autre partie qui est dans l'autre valise que j'ai laissée sur le palier. Donc voilà, ça serait bien d'avoir un peu de rangement en plus, mais comme ça, ça me suffit. Et enfin, pour finir, la salle de bain. Hop. Donc le salle de bain, toilette, hein, en Corée, en général, c'est toujours le même schéma, même combat. Donc on a la douche, la pomme de douche qui est juste ici. Et en fait, on est vraiment juste à côté des toilettes, mais ça se fait vraiment beaucoup ici. Donc voilà, les toilettes classiques. J'ai mis un petit cadre ici pour cacher ça, que je trouvais vilain. Et ici c'est le petit meuble, alors moi j'ai rien installé, hein. C'était déjà là et j'ai juste mis la petite plante, fausse plante, pour essayer d'habiller un petit peu, donc voilà, ça fait pas trop mal. Ici on a la fenêtre qui n'en est du coup pas vraiment une puisque vous voyez qu'il y a le mur derrière.
Donc c'est mini fenêtre. Mais je crois qu'il y a quand même un espace parce que je sens l'air qui passe ici. Et en hiver, il faisait hyper froid. On se pelait le cul dans la salle de bain. Donc je pense qu'il y a quand même de l'air qui passe ici. Donc en général, je la laisse tout le temps ouverte. Comme ça, l'humidité ne reste pas trop. Parce que ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème ici en Corée. Et donc, de l'autre côté, ici, j'ai installé un rideau. Vous allez me dire, c'est hyper bizarre. Pourquoi t'as mis un rideau dans ce sens-là? Mais c'est parce que, vous voyez, il y a un... Je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, voilà, il y a cet espace ici, un peu bizarre, qui est surélevé. Et du coup, j'en ai profité pour mettre comme ça un petit meuble pour tous mes produits. Et juste à côté, voilà, le carton du chauffage que j'ai utilisé tout cet hiver. Et puis, de quoi mettre l'étendoir, le balai, voilà. Donc ça cache un petit peu et ça fait un peu plus simple. Voilà, voilà! Pour la salle de bain, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi si vous avez des questions, des choses dont vous êtes curieuse, mais je vais vous dire quelques mots par rapport au loyer, etc. Voilà, donc on a fini le petit tour de mon Wanlu. J'espère que ça vous a plu, c'était pas grand chose, mais ça vous permet de voir un petit peu dans quelles conditions je vis ici. Sinon, en termes de points forts, points faibles, je dirais qu'il y a deux points forts principaux. Le premier, c'est le tarif. J'ai payé vraiment très très peu cher pour la caution et le loyer. Je vais vous redonner les chiffres juste après. Deuxième point, je dirais que ce serait les transports en commun. Parce que pour aller à mon travail, je prends uniquement une ligne de métro, c'est la ligne 4. Et ce qui me facilite grandement la vie au quotidien, puisque j'ai seulement 20 minutes, 25 minutes maximum de trajet pour aller travailler. Et à Séoul, on sait que parfois le travail peut être très 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 loin. Par contre, en termes de points faibles, il a fait excessivement froid ici pendant l'hiver. Ça a été très très compliqué à gérer. Je me suis acheté une couverture chauffante, un chauffage en plus. J'ai payé du coup beaucoup plus en termes de factures de gaz et d'électricité pour arriver à essayer de maintenir une température à peu près normale dans l'appartement. Et encore, quand je dis normale, voilà, j'arrivais maximum à monter à 15. Et donc j'avais très très froid quand je rentrais du travail. En général, l'appartement il faisait peut-être 11 degrés. C'était le maximum que j'ai vu, je pense. Donc ouais, le premier point faible c'est ça, c'est l'isolation. J'ai eu très très froid, donc je sais pas encore ce que ça va donner cet été. J'ai peur d'avoir très chaud. Heureusement j'ai de la clim, je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais elle est bien là. Et après, le deuxième point faible de cet appartement, réellement après y avoir vécu, je dirais que ça serait peut-être l'espace. parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de place et surtout avoir un appartement un peu plus récent. Donc je vais voir d'ici la fin de mon visa si je peux changer d'appartement, mais en termes de caution ça coûte tellement cher ici que je pense que je vais pas pouvoir bouger. Donc concernant les tarifs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, donc moi pour ma caution, faut savoir qu'en général les cautions en Corée sont super 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 chères. Le minimum dans le quartier où je suis, c'était en général du 10 millions de won. Je vais vous mettre les équivalents en euros en bas là. Et donc moi pour mon appartement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance puisque j'ai payé environ 3 millions de won pour la caution. Et pour le loyer, je paye actuellement 380 000 won par mois, ce qui est vraiment 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 pas cher. Et après en termes de facture, là cet hiver j'en avais à peu près pour 80 000 won en plus. Mais je sais que quand je suis arrivée au tout début, j'en avais pour peut-être 15 000 won par mois. Voilà, ça revient pas cher du tout au final quand on prend dans la totalité. Donc ça me permet de pouvoir utiliser l'argent dans d'autres choses que le loyer, quoi. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense vous avoir donné toutes les informations. N'hésitez pas à me poser des questions ici ou plutôt sur Instagram parce que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. J'essaie de faire des stories un petit peu tous les jours et de faire des posts plus ou moins réguliers. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller me poser des questions en DM sur Instagram. Ça me ferait plaisir de vous aider et d'y répondre. Et du coup, je pense que je ferai bientôt d'autres vidéos comme celle-ci pour vous parler un petit peu plus de mon quotidien en tant que tel, de la vie ici en Corée et pas seulement du format vlog. Donc n'hésitez pas à me suivre, à liker, à partager un petit peu autour de vous, comme ça me donnera un petit coup de pouce, une motivation supplémentaire
pour continuer. Et je vous retrouverai dans des prochaines vidéos pour parler notamment de mon travail ici, des questions de visa, etc., etc. Merci beaucoup et à très très bientôt !